Salut tout le monde, je m'appelle Axel Mazerolle et je suis le directeur général du tour opérateur FTI Voyage. Je dirais plus Koh-Lanta pour le côté aventure et foufou. Très spécial, comme tout le monde, une expérience unique. J'ai fait un potager, ouais, j'ai fait un potager. Et puis j'ai surtout appris à avoir les cheveux longs. Tous les voyages sont magnifiques, surtout la France, je dirais. Non, l'Égypte, le Maroc, enfin, toutes les destinations sont très belles, mais s'il y en a un seul, je dirais que c'est plutôt la Polynésie française. Comme tout le monde dans le tourisme, on a été très très touchés. Simplement, nous avons la chance de faire partie du troisième plus gros groupe touristique européen. En France, le tour opérateur a été le premier en croissance en chiffre d'affaires sur les deux dernières années. On est une équipe qui est top, on est motivé et on y arrivera. Beaucoup plus authentique, beaucoup plus proche des destinations à destination, donc voilà, beaucoup plus qualitatif. Bah quelque part, pas une surprise. C'est forcément une mauvaise nouvelle parce que c'est le rendez-vous du tourisme, notamment en France et même pour de nombreux pays. Maintenant, ça fait du sens. Tous les salons similaires en Europe ont été aussi reportés. En tout cas, nous, il nous tarde de participer à la prochaine édition de 2021. J'attends surtout un IFTM plus gros et plus international. J'étais étudiant, ça s'appelait Top Reza à l'époque et c'était à Deauville. J'étais tout seul et j'étais très ému parce que je rentrais dans ce magnifique salon. Je saluais des gens comme ça de loin. Bah, ça restera un souvenir magique à vie. Des rencontres, des négos, des surprises.